Bon, on va continuer notre travail. Il y en a des membres qui te lèvent la main, ils ne sont pas présents, on va continuer. Honorable Georges, madame, nous. Honorable Boudko, qui te lèvent la main, tu l'as dit quelque chose? Non, ok. Madame, nous la parole, honorable Georges, and then we can move on. Honorable Georges, la parole est pour. Merci, Mr. Chair. Mr. Chair, nous sommes, mon roi, fini. Si mon mémoire est bien, il est bon avec l'ordre 19. Et si ça est le cas, nous allons part 4, par exemple, qui, ensemble avec part 5, qui poursuivent, il y en a pour faire avec adjournment. Part 4, il commence avec ordre 20 et nous propose un changement dans son heading pour tirer sa mode. Pour leave in motions for adjournment of the assembly, rose sa mode simplice. Et nous sans la façon qui ordre 20 N il est présent et pour faire livre une plus clair, si autres suivent les autres schedule, il au passe 14 en bas, et autres va voir bonne raison à cause nous peut proposer sa modification. Ordre 20 et ordre 21, faudrait nous comprendre assez à cause un et l'autre, tous les deux, ils marchent ensemble. Comme il a ordre 20, un, il dit, where for any reason it is not desired to formulate a motion in express terms for the purpose of debating a matter or matters, a motion that the assembly do now adjourn may be moved for the purposes of such a debate. Et nous dit, il plus simple pour dire simplement, a member may, without wishing to debate a matter or matters, move a motion that the assembly do now adjourn. Basically, 20, c'est qu'aucun membre, à n'importe quel moment, est capable, sans soulever une motion, this move a motion, pas soulever, sans soulever une motion pour lequel pendant le débat, par exemple, une motion qui est nouveau l'accompagnant, il gagne permission pour faire un ferry entre parler avec curieuse, par exemple. Pour ne pas faire ça, mais juste pour mouvoir une motion pour adjoindre l'Assemblée. Pas pour adjoindre un débat, mais pour adjoindre l'Assemblée. Pour adjoindre sa sitting, sa zone. Et si nous suivons, une motion est capable. Quand il fait seulement, après qu'il y ait un membre, il notifie le speaker pour que le speaker connaisse qui s'appelle Vini. Pas grand prix au dépourvu. Et le speaker est capable de dire non, on ne peut pas soumettre sa motion à cause ou peut abuse bon standing orders. Ou peut, basically, on peut se débattre ou whatever. Et une telle motion. Une telle motion est capable seulement de faire après que toute bonne motion qui déjà, l'ordre 23 infini, fait, et il a besoin de faire entre deux items business, entre un et qu'un autre, avant qu'il commence un autre. Pas qu'à faire, il y a dans le milieu un débat. À cause de ça, il y en a son ordre qui permet de faire, qui nous pouvoir plus tard. Et si sa motion, il passait. Débat pour sa zone est fini, travail pour sa zone est fini.
Et il a envoyé pour son next sitting. Otherwise, si sa motion est faite, ben, le travail continue, pareil, l'habitude. Et le business est fini. Le speaker adjourne l'assemblée pareil normal. Nous proposerions 7 ordre 20 sub ordre 7 qui dit on any motion moved under paragraph 6 a member who has given notice in writing and obtained the leave of the speaker may raise any matter of administration for which the government is responsible. Nous pouvons voir qui manière ça est fait là dans sa place. Et nous disons, si vous lisez dans votre schedule, qui s'aille un couvert en bas hors de 21, in any event. Alors, pas nécessaire pour mettre là, unless qu'il y en a un membre qui comprend raison pour, à cause de ça, là, nous croire qu'il est meilleur pour pas en l'édito. Et avec vos permissions, Mr. Chair, nous avons regardé ordre 21 en même temps. Et ordre 21, il prévoit qu'avant qu'il n'arrive la motion dans l'Assemblée, un membre est capable de move pour l'Assemblée quand il adjourne pour discuter quelque chose d'important et qui devrait être en considération usant. Et nous croire que c'est ça qui paraît sans haine, qui le board, qui nous délite. À cause, il même qualité que chose. An important matter. Moi, le noir pilé, il lève son la main, Mr. Chair. Merci, au noir George, au noir Sébastien Pilé. Merci, Mr. Chair. Question qui mon PC comprend comme si. Any specific, à cause d'une spécifique, moi mentionne a matter of administration for which the government is responsible. Après, en bas 21, nous dit, was 21 couvert, et 21, il plie l'as, côté cause, lo, any important matters, basically. Ça quelque chose qui m'ont fait grappler avec. Why do the distinction at 27 avant 20 ou de 27 après ou de 21 nous fait référence avec important or urgent matter. Thank you, Mr. Chairman. Merci, honorable Pilé, honorable George. Mr. Chair, si nous retournons à l'ordre 20, paragraphe 6, les business en bas ordre 24 infini, et ordre 24, c'est order of business, OK? Qui nous pouvons là plus tard. Les two business infini, speaker, obviously, adjourne l'assemblée à cause du travail infini. Mais, s'il y en a un membre qui nous donne, qui nous move, pour qu'il assemblée adjourne, sa motion, il peut en prendre avant qu'il speaker, naturellement, il adjourne l'assemblée, après s'il y en a une motion qui est outstanding, qui l'assemblée y adjourne. Sept, il dit que si sa membre, il move to adjourn the assembly, sa membre est capable de raise a matter of administration qu'on a pour faire avec le gouvernement. Dans Standing Orders Committee, nous sommes érodés. Qui c'est ça? Qui c'est ça? Qui ça veut dire? Qui est circonstance qui est capable de couvrir en bas ça? Et nous ne sommes pas capables de trouver une circonstance. Et en fait, le fait que pendant 25 ans, depuis nous l'Assemblée, il existait, ça s'amène soulevé. Il montrait qu'il soit une provision qui est odieuse, qui finit spent, ou bien il est capable de prendre une N20 en bas 21N, qui dit que
avant qu'il n'y ait aucune motion, un membre est capable de demander un adjournement de l'Assemblée pour discuter de quelque chose de spécifique et important qui devrait être en considération. Et donc, on est capable de prendre ça, matter of administration, ensemble et adjourner l'Assemblée pour qu'elle raise ce matter of administration. Alors, nous pouvons voir, étant donné que 27 amènent dans sa vie, nous pouvons être capables de comprendre dans quelles circonstances ils sont capables dans sa vie, nous préférons dire que c'est une spent provision qui a été adoptée dans une autre constitution, dans une autre standing order dans un autre pays, un autre parlement. Alors, étant donné que 21 ans, ils sont couverts, on nous, d'une façon colloquiale, on nous caille avec ça. Mais si on a un change, bon, il paraît un consensus. On va continuer le change. Merci, Monsieur le Chair. Et si un membre peut demander un adjournement pour une question spécifique, ça qu'il appelle, on a des fois un technical adjournment. Il y en a un, par exemple, pour un consulter ou something like that. Avant. C'était qui commençait bon matin, sa maman, il pour besoin donne sa question spécifique avec speaker en écrit. Mais et sa motion pas capable suivre, pas capable continuer, unless que speaker il décidait qui, oui il y en a un bon raison et l'assemblée il vote en faveur. Il passe sa question arrêtée. C'est l'Assemblée qui a besoin de décider. Et la moitié bonne membre qui, dans l'Assemblée, à ce moment, a besoin de supporter ça. Et pour présent, motion, il y a un adjourn pour une période spécifique qui, speaker, va s'y serrer un peu plus tard, ça même jour. Ou bien un autre sitting. Et là, nous décidons sans ça ordre 21-4 si long. Et nous décidons d'arrêter et dire que le speaker va appointer l'autre jour et puis continuer et en disant si ça me dit. Proceedings will be interrupted after 3 hours on any proceedings on which the assembly is engaged shall stand postponed until the motion for the adjournment is disposed of. Il partit aide nous. Là, il clair, si il adjourne un peu plus tard à sa jour ou bien pour un autre jour, si un peu plus tard à sa jour, il peut suivre order paper, mais si un autre jour, il peut prendre son place le order paper en bas, order 24. This is sa bonne motion qu'il a besoin de faire par jour. Et si sa question peut gagner considérée et 5 heures est arrivée, il est capable de continuer pour encore une période de 3 heures de temps. Et mon imaginaire là, c'est à cause qu'il en a une interruption dans la zone hein, pour sa technical adjournment. Alors, sa période est gagnée à deux back après 5 heures. Ça, c'est motion for adjournment of the assembly. Et part 5, motion for adjournment of debates. Et là, c'est l'assemblée continue avec son travail, mais sa débat qui tire on. Il gagne adjourn, il gagne envoyé pour un autre jour. Et ça, c'est ordre 22. Vous allez voir dans ordre 22, dans son heading, nous faisons clair que c'est adjournment of debate in assembly or proceedings in committee. À cause, il soit débat dans l'assemblée ou bien proceedings in committee, tous les deux qui gagnent adjourn par même procédure.
et nous retirer ça mot claim tout qui apparaît dans plusieurs fois un membre qui a envie de postponer un débat ou une question qui finit quand proposer from the chair, ça dit chair il dit motion qui devant nous c'est qu'il y en a un ferry qui a institué entre Pralin avec Curieuse débat est capable de commencer sa motion. Une fois qu'il s'en gagne fait, là, ça, un membre qui a move, nous les adjoint un débat, sa motion, et nous n'avons pas en lien un autre jour. Ou bien, si dans le comité, qui comité gagne adjoint, et il y a va, c'est again. Nous pas content sa mot, mais claim to move. It's simple to just say, mais move. Il peut move sa motion. Et donc, nous peut demander d'élite ça. Et débat sa motion. Il y a va spécifique l'eau sa motion for adjournment of that debate. Et encore une fois, si speaker croit qui ça, il y a l'habit, il peut dire, c'est curtail the freedom of speech. Il y a va decline pour lui proposer sa motion. Et une fois qu'il est appuyé avec motion, ils suivent pareil l'habitude. Et 23, finalement, c'est closure of debate. Comment il y a un debate, il fait main l'OM motion. Après qu'il speaker une propose une question, je t'avais rappelé, propose and put. Propose, c'est le débat qui a commencé. Put, c'est le vote qui a commencé. Après qu'il y a une question qui a proposé, question là, c'est anything, motion, question, anything, un bill, whatever. Une fois qu'il speaker, il dit débat ouvert, that's proposal. Une fois qu'il speaker, il dit vote qui a commencé, ça c'est put. Et speaker proposé, après speaker put. Après qu'il y a une question infinie qu'on a proposée, c'est-à-dire qu'il est débat, puis elle a commencé, un membre est capable de dire on nous procède directement au vote. Let the question be put. On n'a pas besoin d'aller au débat. Et speaker, si le speaker il croit qu'il ne sait pas un infringement, le bon droit minorité dans l'Assemblée, qui c'est majorité qui peut essayer en pèse minorité causée, il va put the question, il va directement au vote. Otherwise, débat pour continuer. L'honorable. Merci, honorable Georges. Je donne la parole à l'honorable John Wahou avant, après l'honorable Sébastien Pilé. Honorable Wahou. Merci, monsieur le speaker. Bonjour, monsieur le speaker. Bonjour, tout le monde. Monsieur le speaker, on peut être à l'ordre 21-4. Lady Sabot Kotiji. The same day or the next day. On peut guetter si on peut guetter clarification là, à cause si nous par exemple mercredi, the next day Tom Z dit qui passe à nous sitting, est-ce qu'il sous-entend dit qu'il ça mean the next sitting ou bien yes. Pas il mean ou bien il mean the next day. Merci, next merci honorable. Honorable Georges, je voulais prendre ça de suite. Mr. Chair, moi tu peux hope que vous passez pour demander moi, vous passez pour écouter question l'honorable. Mon gars il dit que it's the next sitting. Et si it's the next sitting, then so be it. Merci. Honorable Wawo, ok. On comprend, clair. Honorable Sébastien Pilé. Merci, Mr. Chair. On va rappeler, dernière fois, quand nous avons testé sa order. Nous tenons un débat autour de l'issue of question proposed and question put. Peut-être ce qui n'est pas bon là aujourd'hui, vu que nous pouvons revoir nos standing orders, nous mettons en garde qui fait plus clair pour que nous ayons une distinction entre les questions qui sont proposées et les questions qui sont put. À cause des autres qui déterminent la façon qui m'a quelque chose qui procède. Et c'était ça qui l'argument que l'honorable Georges servi pour défendre cette position dernière fois. So,
mon quoi soit nous faire là soit nous faire ici qui dans manuel non un document qui attaché qui définit what we mean by a question proposed and a question put. Est-ce qu'il est même il move motion et ou dit OK bon présent motion pour qui ou lit cette motion il gagne move débat ouvert. Est-ce qu'il ça une question proposed ou est-ce qu'il est débat fini quand il fait sa motion right of reply quand il fait présent là est-ce qu'il a even a question put. So nous besoin clair que ça et besoin when it comes to a bill par exemple. Est-ce que the question proposed is at the second reading or is the question put après qui ministre fait son droit de réponse? Est-ce qu'il a qui présent nous parle dans the question put? So ça aussi besoin clair. Cause de tous les cas, sa adjournment of debate il prend place. Il prend place. Là nous peut prendre un bill, il prend place. Là nous peut prendre une motion. Il même prend place. Là nous peut prendre question, par exemple. Merci, Mr. Chairman. Merci. Honorable Pillet, honorable André. Monsieur Speaker, moi, on te dit sa vie, honorable Georgine dit sous-entendu, mais l'État nous peut faire un document, l'État nous peut faire standing orders, mon quoi, si nous peut mettre next day, de place next sitting, ou bien nous le dit next sitting, mon t'a préféré qu'il nous mette ça qu'il nous le dit, à cause. Pareil, honorable Wawen dit, si ton mercredi et nous besoin de mardi prochain, nous met next sitting. Next day, la gaz anglais, c'est demain. Just for clarity sake, mon quoi, demain, bon zen qui vini à Vawa, qui veut dire vraiment. So, mon ça ciseré, en est si y en a une constrainte négative. Qui nous met next sitting de place next day pour nous faire clair. Même si nous permet mardi, il pouvait dire son lendemain, mais pour next sitting, which is Wednesday. Merci. Merci, honorable. Honorable George. Yes, Mr. Chair. Est-ce qu'ils ont cap remind moi côté nous était, s'il vous plaît, le sapoint? Which one? 21-4. Yes, Mr. Chairman, va nous servir de cause desire not de. Same ça nous servir. Si nous regardons for son commencement, il dit the motion shall stand over until such hour as the speaker may appoint on the same day or the next day. Va. Et c'est pour ça raison qu'il nous servit the next day pour nous pas faire un lot de confusion. So, si nous poussons the next day en bas, nous besoin sans the same day que the next day en l'air, et ça vient un seul mot. That's the problem. May appoint on the same day or the next sitting. Ça dès l'endroit où on a next day, si l'Assemblée est d'accord, nous sans lui nous fait next sitting. If that's okay, nous fait lui. Merci. Et nous allons donc le closure of debate, nous tu peux cause le proposed and put. L'honorable Pillet, les 20 points. Mr. Chair, je crois que nous ne sommes pas capables de mettre ça, nous ne sommes pas capables de définir ça dans nos standing orders, à cause aucun du monde qui peut lire standing orders pour dire que c'est bon, nous ne sommes pas. Je ne sais pas qu'on a une terminologie. À cause de ça, it's a term of art, nous supposons qu'on est. Ça qui m'a proposé, c'est qu'il nous mette dans le manuel. Et dans le manuel, in fact, il a déjà. Et ça, c'est un manuel qui, Standing Orders Committee, pour proposer avec l'Assemblée à un certain moment. Et nous mettons clair, once this question is proposed, debate can ensue on the question proposed and not on the motion, etc. Et après, nous expliquer what a question put is. Alors, dans manuel, tout bon membre, bon nouveau membre, pour qu'on ait exactement la différence entre question proposed et question put. Et mon supposé que, dans l'Assemblée, fichier,
y avait un petit période de training pour un nouveau membre, les autres peuvent venir, qui pouvait donner par un membre qui l'a depuis avant, pour qu'il soit familiarisé avec l'école, avec le bon process de l'Assemblée, etc. Et pareil qu'on fait dans tous les autres l'Assemblée, mais malheureusement, il n'y a pas quelque chose qui nous fait ici, jusqu'à présent, mais je crois qu'il y a quelque chose qui va souhaitable pour l'avenir. Et donc, une fois que la question est en input, si il passe, that's the end of the matter. Et nous venons présent au ordre 24, qui est order of business. Et ça. Un moment, on a George, on a Pilé. Merci, Mr. Chairman. Mr. Chairman, l'honorable a besoin aussi, as chair Bills Committee, et moi, as un membre Bills Committee, Standing Orders Committee. Quoi est important, nous faire une clarification vis-à-vis 21.5. À cause 21.5 is taken pour qui sa membre qui, for the time being, holding the floor, to mean sa membre qui peut faire un débat à sa moment, et lui move sa motion for adjournment, which is not the case. The case should be, c'est qui sa membre, il demande floor, and then he move sa motion as soon qu'il ait un floor. À cause, essentiellement, qui vous pouvez dire, sa membre qui peut finir intervenir, mettons, il fait un débat, il fait une intervention, une motion, ou something for adjournment. Après, lui-même, lui qui move the adjournment, then he al contre l'esprit standing orders. À cause, lui, sa membre, il peut gagner sans causer, faire son représentation, et après, lui-même, il peut demander adjournment que pour empêcher les autres membres causer. C'est pourquoi, après, nous tenons ça débat la dernière fois pour nous clarifier, parce qu'il est important qu'il vienne l'éducation. Mais aussi qu'il a clarifié aussi dans le manuel by what we mean, pour qui nous veut dire par the member for the time being holding the floor. Merci, Mr. Chairman. Merci, honorable. Honorable George. Yes, Mr. Chair. In fact, Mr. Chair, si mon capable lire encore un petit bout manuel, putting the question. Once debate has been exhausted on the question, the speaker proposes the question that the speaker proposed on the main motion or on the main motion as amended, the speaker again returns to the question or question as amended and reads it to the assembly. This is called putting the question. Here the speaker reminds the chamber of what the vote is to be held on. Okay? Et il y en a order 39.7 qui nous pouvons lola taler, question put by the speaker on a motion. Nous proposons vote sa motion ou bien sa motion as amended, question devant l'Assemblée, c'est, et là il lit son question. And that's what is called putting the question. Dr. Manuel, tout ça là pour paraître assez clair. Question, l'honorable Sébastien Pillet, en effet, il y a une bonne question, il y a un bon point. Et ça, c'est, encore une fois, ça peut appuyer dans Manuel, à cause pas vraiment une question qui devrait, selon moi, entrer dans Standing Orders. Si un membre PL propose un adjournment of debate, un point, il a besoin de faire lui avant qu'il cause le sa débat. Il n'y a pas qu'à parler dans sa débat, après il move point adjournment. In fact, Mark Guy, le parliamentary practice, il fait ça clair. Si on vit adjourner un débat ou pas qu'à causer. Ou besoin de 10 moves ou motions pour adjourner un débat, il finit. Et après, ou à cause plus tard, le débat retourne devant l'Assemblée. Mais ça y va appuyer dans le manuel, il va expliquer ça très bien. Je ne crois pas, nous avons besoin de mettre là dans Standing Orders, à cause encore une fois, ça y suit son practice rather than un Lord. Mais il y a un point qui est intéressant à cause, de temps en temps, il est soulevé devant l'Assemblée. 24. Un indémonie demande la parole, Mr. Chair. Yes, merci, honorable George, honorable Henry. Merci, Mr. Chair. Le point qui est honorable Pilé, il fait mon rappel, président Michel Tivini, qui présente State of the Nation, après 10 jours de l'Assemblée, en 2007. Ce qui venait pareil, et même il causait après, il
he move for adjournment or a mom he present a motion après withdraw a motion. So de ça des contextes et ce qui taïne avec ça qui nous peut dire. So oh, totalement différent éthiquement il isolé responsable pour un président enfin quelque chose comme ça par exemple et nous à là où ça continue. Merci. Merci honorable. Honorable Pilé. Merci Mr. Chairman, ever the consummate politician, Honorable Ali. Il est différencié. Honorable Ali, il est différencié que le président Michel dit de l'Assemblée. Pareil, Honorable, j'ose expliquer ça. Il peut regarder n'importe qui président, des mecs avec le président qui assiste à l'Assemblée. Et le président qui assiste à l'Assemblée, donc, quand si je donne un pouvoir pour qu'il fasse. Ce qui nous peut causer là, c'est qu'il y a un engagement de débat dans l'Assemblée. Mettons pareil, il y a un assisté qui nous peut discuter là. Right? Et l'honorable, m'a servi l'exemple honorable Ferrari, Mr. Speaker, no pun intended. OK? Honorable Ferrari senti pour dire, nous n'exhaustons pas le débat, nous n'avons pas envie de continuer le débat, so, il lève son main, dit Mr. Speaker, vous donnez la parole et il move a motion for adjournment. There and there, move some motion for adjournment. L'honorable Ferrari, carabou aussi, aller entrer dans le débat à cause standing orders, pas bon, nous ne pouvons pas faire ça, and then move a motion for adjournment. Ce que l'honorable George peut dire, c'est que ça est un deuxième, l'honorable Ferrari n'est pas capable de faire. Il besoin de move sa motion for adjournment and then si on a les autres points pour dire à cause il peut proposer sa adjournment il va dire ça. So these are two different contexts. Merci. Merci honorable. Honorable George. Yes, Mr. Chair, sa question est quand même traitée at length dans manuel en bas closure of debate order 23 et ça a été expliqué par Imondi very lengthily et il a dit bon, qui speaker il besoin faire et qui speaker pas de voix faire et qui manière sa membre qui sa membre est capable qui peut move sa motion il capable faire. Donc, nous trouvons ça assez lentement dans le manuel. Et nous expliquer la différence entre un membre majorité qui peut mouvre sa motion et un membre minorité et qui décision speaker. Il devrait prendre là. Il est trop long pour moi, il est là, mais membre va gagner un sens, il est le manuel est sorti. Order of business. Et là, il y en a une des propositions pour l'amendement. Si vous regardez votre schedule, vous allez voir que le premier point que nous pouvons demander, Mr. Chair, et nous highlight dans la liste order of business, il y en a deux ou trois choses que nous pouvons voir. Un, c'est moment of reflection. Et dans nos schedule, nous pouvons demander avec l'Assemblée, nous highlight les en zone à cause de pas quelque chose qui nous tient envie faire une proposition là, nous préférons que c'est l'Assemblée qui décide. Et nos questions c'est, should we retain the moment of reflection or replace it with a prayer or another appropriate moment? Et nous dit, pareil qu'on fait dans certains les autres l'Assemblée. Et là, l'Assemblée, il y a besoin pour une décision là. Comme là, nous, on a ce moment de réflexion, que pendant une minute ou so, même il restait tranquille, ou bien ils ont fait la prière pour eux-mêmes, ou bien ils ont fait ça qu'ils ont envie. Est-ce que ça devrait garder comment ils pratiquent l'Assemblée, jusqu'à présent, qu'ils nous croient bien et nous ne devraient pas être censés, ou bien est-ce que nous devrait en avoir un non-denominational prayer, pareil, qu'on fait dans certains l'Assemblée, qui n'importe qui tendance religieuse qui en a ou va trouver les corps dans la prière, qui gagne réciter tous les bons matins, dans plusieurs assemblées dans ça, ou bien est-ce qu'il y en a un autre quelque chose qui est capable de faire? Et là, moi, ça va, quand on fait une réflexion, qui m'ont fait faire bon matin, en fait, bon matin, moi, je peux m'asseoir là, et moi, je peux demander mon corps si, pareil, dans le Congrès en Amérique, nous ne sommes pas capables d'avoir un pledge. Et un pledge qui tout le monde y voit là-dedans et qui
Imam, who is the chaplain of the house, qui gagne nominate, il y lit, ou bien chaque membre, il prend ou va désigner un jour l'honorable Gill, un jour l'honorable Wevel Woodcock, etc. Les mêmes pledges tous les avant chaque sitting. Donc ça c'est une autre façon. Et moi je crois que là c'est un moment approprié pour nous focus-le là. À cause personnellement moi je crois qu'il y a un bon moment pour nous faire sa réflexion. Et si nous pouvons imaginer un pledge, encore une fois, je n'ai pas envie monopolise sa l'idée ou bien force mon idée le aucun du monde. Mais si nous regardons l'article 40 de la Constitution, qu'ils ont entendement dit plusieurs fois, et plusieurs lit l'article dans nos constitutions, nous avons fait ça avec un pledge, pas pour nous, mais pour la nation cécelloise en entier. Et ça pledge, mon pays lit en créole, que nous tous nous devons réciter ça tous les bons matins, et nous devoir pour soutenir et défendre sa constitution, pour faire avancer l'intérêt national et cultiver l'unité nationale, pour travailler consciencieusement, pour contribuer envers bien-être communauté, pour protéger, préserver, améliorer l'environnement et pour faire tout ça qui est dans nos préambules. Donc ça, nous sommes capables. Et à cause que nous, dans la l'Assemblée, we don't take the initiative pour faire ça venir quelque chose national. Donc voilà, Mr. Speaker, mon papier. On n'a pas force dans rien aux personnes, mais on peut envoyer des droits à l'idée qui est capable de considérer. Merci. Enfin, ça c'est un point. Mais il y en a les autres. L'idée en bas ordre 24. PNQ. Quand est-ce que PNQ peut venir? Est-ce que PNQ peut venir avant question? Et nous tenons pas une décision dans Standing Orders Committee qui, quelquefois, nous devrions faire PNQ par ce premier, get it out of the way, après nous avons la bonne question, si tout si PNQ pendant une période limitée, ou bien est-ce que nous devrions faire les pareil aux autres, type passant derrière pour donner sa ministre un peu plus le temps pour préparer son corps. That's a matter. Alors, nous, ce que nous faisons, nous inversons ça dé l'ordre. Dans Standing Orders, et nous n'envoyons motion pas derrière Bills. Donc, Bills est passé, après motion, il vient après, et là, comme il est là, motion, il vient avant Bills. Et je crois que that's not the way qui nous peut procéder comme il est là. Donc, voilà ce qui nous peut proposer, Mr. Chair. Merci, Honorable George. Aucun membre n'a intervenu. Order of business. Il y a une bonne proposition qui, Honorable George, il met devant House. Non, mais s'il n'y a pas aucune proposition, on va retourner la parole à l'honorable George. Mais c'est moi, nous rester stuck avec moment of reflection, quoi qu'il nous faut faire, il y a trois propositions à peu près. Soit nous quittons comme ça même, soit nous avons la prière, soit nous faisons un pledge. Là, nous quittons comme ça même, il y a open pour moi. Par l'honorable George, il dit, de ce moment-là, il m'a mis à faire ce qu'il voulait, à part de disturb the moment of reflection, mais de se penser capable, soit il peut faire la prière ou bien il peut faire son pledge under. Qu'est-ce comme ça même? Est-ce qu'il y en a un consensus qui nous qu'est-ce as moment of reflection? Et sa maman lui-même lui a décidé si à ce moment-là il peut faire la prière, il peut faire son pledge under même, ou bien si il peut faire certaines réflexions là. N'importe quoi. On aura Ferrari. Yeah. Monsieur Speaker, moi aussi d'accord avec Honorable George qui est un pledge qui est vraiment profond. Et nous ne devons pas dire sa proposition à cause de nous n'avons pas place pour lui. Mais seulement,
qu'il faut nous devoir retenir ça dans nos pratiques qui les nous swearing la première session, nous swearing comme un bon membre de l'assemblée. Après nous, après tout bon membre ensemble, il fait sa pledge. Comme si il vient in addition to the swearing in to the oath. Aussi, il y a un petit peu plus là, c'est que toi nous devons être capables passer là et mettre les en valeur. Merci. On aura fait rien. Moi aussi, moi je peux m'assurer de même l'aller. Dans nos oaths, les gens nous pèsent allegiance to the Constitution, mais nous veillons un petit peu plus. Après ça, les tout le monde prend oath, nous fait sa pledge en bas l'article 40. On aura pile. Merci, Mr. Chairman. Ça veut dire que nous sommes capables de faire l'ordre 26, nous ajoutons nous faisons 26 current living one, après nous faisons 26 2, et nous introduisons pledge inwardly in relation to Article 40 of the Constitution. Because having part of the oath. Of the oath. On aura change? Comments? Met to mic on. Pardon. Après, on dit, question qui sorti dans Standing Orders Committee, si n'a pas, la question pledge. It is this, est-ce que nous devrions garder ce moment de réflexion, ou bien est-ce que nous devrions en aller la prière qui est appropriée pour nous l'Assemblée, qui nous tout nous fait même quelque chose bon matin. Pareil, nous voir dans beaucoup, dans la majorité de l'Assemblée, en effet, c'est comme ça. Nous pensons suivre ça, pour bonne raison qu'ils nous pensent suivre, mais pareil, mon dit, si c'est un pratique qui m'a assez, let's stick with it. Nous t'envisons ce que l'Assemblée, il y en a un moment pour lui faire ça, faire son esprit. Dit yes, en nous continuant, ou bien non, il y a un moment pour censer. En ce qui concerne le pledge, ça c'est quelque chose qui. Il y a un plus grand débat. Il y a un débat national. Moi, mon content d'un pledge, mais m'ont réalisé qu'il y en a une défaillance avec l'article 40, c'est qu'on a des fois voir les adultes écrire un document sur les enfants. À cause, il y en a un mot sur sa pledge qu'ils enfants pas qu'à faire, à cause c'est pour travail dans l'occupation appropriée. Il faut besoin quand même modifier pour qu'un pledge qui adulte et enfants tous les deux sont capables de faire. Et moi, je crois que ça va être un bon quelque chose à cause. L'article 40, il y a un joli article, mais malheureusement, il y a un livre qui est rarement ouvert. Et les nouvelles emmènent à l'article 40. C'est tous les 18 ans qui ont des démons dit ben, on n'a pas oublié nos bonnes responsabilités. Et ça va être un bon quelque chose pour quelqu'un qui tout dans nos bonnes zènes, pour qu'il y ait un mesure qu'ils ont monté, ils ont en sa bonne. Un peu pareil, ou faire un autre repère tous les bons matins. Ou aussi, ou récite ou pledge avec ou les corps pour dire, ben voilà, moi, citoyen, c'est celle-là, là, mon bonne obligation, et là, la bonne quelque chose qui m'ont pour faire. Mais ça, c'était juste une réflexion. Là, il y avait un débat national. L'autre point, il y en a une autre question qui, encore une fois, qui, je crois, nous devons décider là, aujourd'hui. Et ça, c'est National Anthem. Nous, à l'Assemblée nationale, il y en a certains, nous, qui sentent ce National Anthem, softly, mais nous tendez, et il y en a qui pas. Est-ce que nous devons être en an et la règle, est-ce que nous devons être continuellement, il y a une été comme là, ça qui a envie, humbly, ça qui a envie, sently, ça qui a envie, pas sentir du tout. Free choice. Yes. On peut couvrir 25 en même temps. Pardon? Non, on peut couvrir 24. Pardon. Sorry, mon... 24 DA. Nous disons qu'il y a 25 aussi en même temps. Mais nous pas soulever ça. Ça, c'est une réflexion que moi, on peut faire. À cause, on a des fois mon santé, on a des fois mon esprit tranquille. Et mon voir qui beaucoup,
Bon, ça qui m'a pas tient en vie, Mr. Speaker, la présence qui nous gagne de façon censée uniforme pour les hommes, m'a pas tient en vie que nous l'Assemblée gagne divisée par le fait qu'un côté il sentait, un côté il restait tranquille. Ou bien un côté il stand to attention, un côté il met la main sur le cœur. À un certain moment, si nous pouvons de l'unité nationale, nous avons besoin en une façon unifiée pour faire bonne quelque chose. Il y a une simple réflexion. Nous n'avons pas besoin de prendre la décision là, mais étant donné qu'il nous l'a, il y a quelque chose qui, quelquefois, nous devons être réfléchi là. En ce qui concerne l'ordre 24D, nous en avons définitivement des amendements qui ont fait et qui ont fait porter à mon attention. PNQ. Dans quel ordre nous pouvons prendre quelque chose? For the time being, comme il a, et questions of which notice has been given, après questions without notice, qui nous fait lire rarement, et questions without notice, c'est simplement les examiner s'il l'a. Il y en a une question, ils ont qui est un membre pas envoyé, mais qui come up dans sa dernière petite guide de l'étang, ou service à l'opportunité pour demander. Après, il y en a PNQ. Là, l'ordre qui gagne suivre comme il a. Est-ce que nous devons maintenir ça l'ordre, in which case nous avons sens G avec H et inverse autre, ou bien est-ce que nous pouvons faire PNQ avant, get it out of the way, après questions with notice, après questions without notice, if any? Merci. On pose la question. Merci, Honorable George. Honorable Sébastien Pillet. Merci, Mr. Chairman. Mr. Chairman, essentiellement, nous avons standing order aujourd'hui. Un PNQ, il y a une question without notice, à cause notice about the standing orders in relation to question, there is one definition for notice, that is the 7 days. Ça l'état qui question besoin de demander. À cause si nous regardons 31.4, the standing order. Okay, 31, it's you in a questions with and without notice. Okay. Notice of question shall be given in writing by a member to the clerk and shall be received by the clerk not less than 10 days before the meeting of the assembly. So for all intended purposes, wherever standing order, if I mention of the word notice, it means that 10 days. Okay? Now, at 31.4, the leader of the opposition shall be accorded privilege to put a private notice question by sending it in writing to the clerk at least 6 hours before question time. But nothing. This is the point you need to clarify. Because nous déjà gagné ça débat auparavant regarding notice and what notice means, especially the leader government business. Tiens, man, an urgent question. Et c'est quand dit que it was a question without notice. Il besoin espérer, etc. C'est un bon débat qui se soulève à quoi autour ça. Et même on a besoin de donner l'opinion regarding ça. So, pour standing orders, let me interpret the notice means the 10 days. Now. Even notwithstanding KPNQ is without notice, it is the only question without notice that is given a preference. Given a certain importance to standing order, la rest of question without notice doesn't have the same importance as a PNQ. That's the difference between the two. Et moi, c'est pour ça raison qui dans 24.2, pour exemple, it is because the questions of which notice has been given and questions without notice. And the reference of questions without notice was essentially meaning PNQ in that regard when you consider 24.2 currently. Now, raisonnement, mon interprétation quelque chose comme ça. Si un membre d'un district quelconque, il met une question 10 jours d'avance, OK? Son question, l'issamment, il a besoin d'espérer 10 jours pour y arriver au ordre de paper. Whoever is the leader of the opposition at the time, il est capable d'amener la question à sa membre avant même que sa membre lui envoie sa question. Ça veut dire capable de tirer en bas les pieds sa membre si sa leader de l'opposition so wishes to do so. So this is where, qui me croit, nous besoin careful. À cause point membre, à cause anybody qui est membre, anyone, ou besoin respecter raisonnablement par honorable Churchill Gill, ti di bon matin, qui sa membre y en a. Il y a dans sa droit, la constitution pour lui amener des choses aux constituents. So c'est là que nous débattons en relation to the standing orders. How do we
deal with the order within which these two elements have to come in, the question with notice and the question without notice. Mais si on a mon connaît ou peut faire référence à une situation qui arrive une fois code leader government business ça voyait question probablement ça non et PNQ tu peux skip Henri mais PNQ il y a question with notice à cause il gagne envoyé at least 24 heures d'avance. Maurice, it's still a question with notice. Il rentrait, mon coin, désertant, ou bien un aide-temps avant. Voilà, mais still, the clerk, il gagne notice, et malgré qu'il y a 1 hour, Maurice, sa ministre, il gagne un aide-temps pour lui préparer. It's still a question qu'il a envoyé en écrit. Mais qui nous peut dire without notice? C'est ministre-là, une situation qui concerne son ministère, un membre, il est capable de demander une question qui, ministre, pas de gagner la réalité, et the office of the clerk pan gagne l'été without notice. Mais là où vous venez de sa situation par le petit, PNQ est capable de prendre une question qui s'est même envoyé 10 jours d'avance. Pourquoi ça, c'est un sujet qui t'élève qui nous dit pas de vrai. Et on peut aussi suivre pour Maurice. Maurice, il fait clair. A question by private notice cannot anticipate a question for oral answer of which notice has been given and which appears on the other paper. Honorable George. Yes, Mr. Chair. En effet, mais pour nous aller plus loin, si vous permettez-moi, voilà ce qui nous manuel dit. PNQs are a prerogative of the leader of the opposition and are not asked by any other members. There are also questions with notice, although the period is shortened to 6 hours. It is usual for a PNQ to be asked after the list of ordinary questions, etc. Nous pas parler là-dedans. Et là, pour ça, nous mettez. It may happen, brackets, although because of the composition of the ABC, this will be a rare occurrence, that a member's question with notice is duplicated by a PNQ. In that event, the question with notice, whether on the order paper in the regular manner, et là, nous plus loin que Maurice, whether on the order paper in the regular manner, or given priority by reason of its urgent nature, should take priority over the PNQ. A PNQ has no priority over other questions with notice which have already been waiting their turn to appear on the order paper. Okay, it's normal. It can't anticipate. If the two similar questions are one with notice in respect of which priority has been requested and a PNQ, the speaker will determine whether both will be asked, and if so, in what order they will be asked. It is not proper parliamentary practice for a PNQ to anticipate and be sent in simply to trump another question with notice already sent in by a member on the government benches. Mais ça ne peut pas arriver à cause d'ABC. À cause, et à l'air nous pouvoir, enfin, dans l'autre endroit nous pouvoir, l'air nous pouvoir les standing orders, qui tout question et tout motion, il devrait être comme ici qu'il est. So all members at any time, il besoin qu'on ait qui motion qui peut espérer pour venir devant l'Assemblée et qui question qui peut espérer pour venir devant l'Assemblée pour exactement sa question pas arriver, pour pas envoyer même question qu'il y a l'autre envoyé ou bien même motion qu'il y a l'autre envoyé. Alors, new standing orders fait ici qui ça pas arriver. Mais par exemple, on dit en bas ABC, it's just not possible. À cause d'un ABC, leader de l'opposition, pour qu'on ait qui bonne question qui ne finit gagner la liste, et pas pour envoyer un PNQ qui le même si c'est. Unless il fait élire pour une raison urgent. Et là, à ce moment-là, il y a si y en a une question qui ne gagne envoyé, qui pas ne gagne demander, qui pas ne gagne envoyé pour demander urgently. Et entre-temps, leader de l'opposition, il croit que même question, il devrait être urgent. Il est capable d'envoyer. Et là, pour ça, ABC va décider. Les quelques points priorités, pareil, nous dit là. Merci, Honorable George. Honorable Mkalaon. Bon. Est-ce que nous finissons l'ordre of business et nous mouvons? Nous tenons un moment de réflexion as is? Oui. OK. Now, dans l'ordre, est-ce qu'il nous fait PNQ vin premier et il suit par questions with... Yes, Honorable Madeleine?
Merci, Mr. Chair. Mr. Chair, moi, je crois que PNQ, par l'effet, qui en a l'importance, il gagne donné de 31, en référence avec le standing order. Je crois qu'il est important qu'il nous quitte comme premier à cause ministre qui a gagné sens dispose of ce matin. En est-ce qu'il y a une question qui levé sans notice, qui sa ministre dans l'Assemblée, il va expliquer, il donne permission. Je crois qu'il est plus bon nous mettre le premier à cause. Les autres questions, il y a capable d'avoir un petit peu plus de questions supplémentaires. Basil, ça que nous discuter. Bon matin, merci. Merci, honorable André, honorable Churchill Gill. Merci, Mr. Chair. Mr. Chair, mon question, il y a une question without notice. Pour le temps, ça prend spécifié. Qui quantité de se mettre une question without notice? Car il y a une demande. Peut-être nous avons fait un éclaircissement là. Qui quantité un mami qui a demandé? Les qui sont, il les demande question without notice. Merci, honorable. Honorable Sébastien Pilet. Merci, Mr. Chairman. Mr. Chairman, moi, je crois qu'il y a quelque chose qui nous besoin de définir, qui n'est pas bien défini. APNQ est différent avec any question without notice or any other question. It is a private notice question. And it becomes, there's sort of a privilege and prerogative, whoever is standing as the leader of the opposition. Ce qui m'a dit, nous avons besoin de nous pour définir, c'est what is the period of notice about ça. And what do we mean? Because when we service a term notice about the standing order, we must mean notice to mean the 10 days. It must be meant to mean the 10 days. If it's not meant to mean a shorter or longer period, it must mean the 10 days. Now, a PNQ, it's not conform to notice, it's got its own treatment itself. Mais comprends moi là, il pas vient avec aucun notice ou non, il a son propre traitement. And nothing should stop anyone who's in the opposition to bringing a question game mami demandé. Ça qui moment raise c'est qui what happens in the event qui ça arrive. How do you do that? And that's why the Lord number 24 it apparaît après une question with notice à cause the 10 clear days. So this is what we have to define. Si nous ca define the period of notice, it wouldn't matter qui nous pour faire après ça. Et elle autre quelque chose qui m'a pour demander à l'abjurge pour faire, c'est qui est-ce qui pas tu avais amené hier pour nous dire ça dans le standing order, rather than dire dans le manuel, qui si par exemple un membre, mettons nous abandonné pour m'amélecter pour un soupin, il amène une question pour un coblaz un soupin, ok? Et il sorti from party qui est différent que ça dit, qui est de l'opposition. This is a political theater, ça dit l'opposition, il amène une question envers un soupin. How would you react? Ou on a vu une question with notice. Et puis, pareil, on dit, là, il ne faut pas savoir pour vous. Donc, so, on a besoin de regarder dans sa contexte. Ce qui m'a croit, c'est que je m'en ai un point là, c'est qu'il est au guet de l'Angleterre, dans les autres parlements, et puis un qui a un traitement séparé. Il a une certaine élévation, sur tout speak, et il a un traitement séparé à cause de l'importance de l'office de l'opposition. Ce qui m'a aidé, capable, comme tout, ça donne nous standing order aujourd'hui à cause nous pouvons move et nous pouvons évoluer de la façon que nous donnons l'implémentation du standing order aujourd'hui. Merci. Madame la parole au honorable George, après nous prendre l'autre question. Honorable André, honorable Henri. Honorable George. Merci, Mr. Chair. Encore une fois, mon refusal to the manual. Urgent questions. Il en comprend moins bien. There has recently been introduced onto the order paper a category of question labeled urgent questions. There is no such thing in the practice and procedure of the Assembly as an urgent question with notice. Et ça, c'est réponse. Et il y en a une footnote. It should be borne in mind that the Speaker has a discretion in terms of Standing Order 95 to regulate the conduct of business of the Assembly in matters not provided for in the Standing Orders. This is not a blanket power to be exercised at the whim of the Speaker, but it is necessarily restricted to matters not provided for in the Standing Orders. The issue of questions is provided for in the standing orders. These have not made provision for urgent questions as a separate category of questions. The Speaker thus has no discretion to introduce a new category of questions to be classified as urgent questions. This is a prerogative of the House and can only be introduced by an amendment to the standing orders. Notwithstanding that,
Any question of an urgent nature by a member, whether named urgent question or not, can be put with notice in terms of Standing Order 31, and the Speaker requested, because of its urgent nature, to give it priority on the order paper. The discretion of the Speaker whether to do so or not remains that of the Speaker. Et on continue. No member other than the Leader of the Opposition has a prerogative to push the member's question with notice ahead of others sent in beforehand. However, if a question arises on an urgent matter and is not the subject of a PNQ by the Leader of the Opposition, nothing prevents a member from sending in the question and asking the Speaker to consider placing it urgently on the order paper to be asked as a question with notice in the ordinary manner. The Speaker will then decide whether the question should be given priority over others. The question cannot, however, be classed as an urgent question, but simply as a question with notice, which has been given priority as a result of its urgent nature, or which has been allowed to be asked prior to the expiry of the 10-day notice period required by Standing Order 31. L'argument que nous pouvons faire est simple. Si on vit une question, il saute the queue, ou écoute le speaker ou dit, please consider putting this ahead because it is urgent. Le speaker va décider si pour faire ça, si pas pour faire ça, à cause de 10-day period, le speaker est capable de réduire. Mais ou pas capable ou, this envoie lui et met un titre urgent question, if I live in this apoy PNQ. That doesn't happen, n'a pas ça. Appuyer nos questions without notice, et ça, moi, nous tous nous connaissons, c'est le ministre là, et quelque chose il fait qu'arriver, ou demande une question avec speaker, ou demande speaker permission, est-ce qu'on grave demande une question qui fait arise, moi, pas envoyer une notice, mais ministre là, moi, les pense à, moi, les saisis à l'occasion pour demander une question, and that's at the end of 2-1 questions with notice. Merci, Mr. Chair. Merci. Est-ce qu'Honorable Churchill répond? Non. Honorable Churchill, tu peux demander, moi, combien seven questions without notice can be put? Autant qu'il y en a, mais il ne peut pas en beaucoup. Il peut pas. Quand c'est une question without notice, qui est pour une garde amassée, à cause de quoi qu'on est, c'est juste son semaine avant qu'il connaît lesquels ministres qui peuvent venir dans l'Assemblée. Alors, il y a besoin de quelque chose qui n'arrive dans sa période. Merci, Honorable George. Honorable Gill. Precisely the point, sa ministre aussi fait connaître ses mènes. So, si mon n'a pas une limite, lui pas connaît qui limite moi, non. Mon pouka demande ni beaucoup plus de questions qui pas pouka répondre. Vice versa. C'est ça qui nous besoin, non. On a quelque chose de clair qui quantité qu'a demandé pour nous assurer, pour dire nous pas overlap pour bien nous pas prendre plus le temps que nous devons prendre. Merci. Merci. Honorable George. Oui, Mr. Chair. Questions without notice. This type of question is in the discretion of the speaker. Speaker qui peut décider si vous pouvez demander, si vous pas pouvez demander. Qu'a dit ou non, on va pas prendre aucun. Ou bien qu'a dit on demande toi, assez ou whatever. Et il gagne son provision, c'est « The question must be urgent and relate to a matter of public interest. » OK? And the, ça, c'est ça son des critères. Si vous pouvez profiter pour demander qu'il ministre, si vous demandez une question, vous oubliez, vous voyez, it's not going to be, il va pouvoir une question without notice. Merci. Honorable George. L'honorable George Elgill dit, en effet, et qu'il faut avec raison, nous standing orders, pas dire ça. Non, il mettait 31.3, questions of which notice has not been given, but which in the opinion of the speaker are of an urgent character and relate to matters of public importance. Alors là, ça décritait. Merci, honorable André. Merci, Mr. Chair. Mr. Chair, en référence avec issues raised by l'honorable Sébastien Pillet, je crois que c'est sa raison, l'honorable Georges explique nous qui nous procédit. Il dit que tous les départs, ou bien
bon membre qui dans l'assemblée il quand en 10 parti dans les fitis ils ont besoin qu'on ait qui bonne question qui dans queue pour qui faire qui il y a van pas un PNQ loin question possiblement qui déjà là en laisse sa membre lui il sentit qu'il est dans il le côté de l'opposition qu'il est de l'opposition quand ça privilège il va prendre son question il va dire avec les de l'opposition ben amène ça comme un PNQ au moment va withdraw alors c'est capable boost forward avec ça issue so moi nous besoin dit bien mon suggéré qui nous quitte les PNQ avant après nous faire with notice après without notice à cause without notice même without notice il a pas prendre précédence par exemple Georgine dit so ministre là disons il peut répondre PNQ et ça un accident arrivé à l'exemple n'arrivé et ça membre l'assemblée gagne une information qui soit ça bis ou bien whatever une situation qui le terrain qui urgent of public interest il va demander à partir so no matter where we put questions without notice il peut besoin un élément qui pour sauter lui at any one stage qui dans nos standing order so moi aussi nous quitte les PNQ priorité après nous mettre pareil gagne mettre là merci honorable honorable Henri. Merci, M. Chair. Je crois que je continue avec l'honorable André Nkite. Je crois que nous devons valoriser un peu plus sa position ou soit sa privilège leader de l'opposition et d'Only. PNQ, il vient de nous dire là. Et l'autre affaire, c'est que nous devons assister parce que nous avons un système constitution, présidentiel. Et l'Assemblée, comme si, bien, regarde sa position, leader of opposition, un petit peu, avec un petit peu plus respect, privilège qui gagne. Et média, il a été servi à titre leader de l'opposition de l'Assemblée nationale, à cause simplement leader de l'opposition. L'autre titre, leader of government business de l'Assemblée nationale. Ça y est, OK. Mais comment nous le savons, Mr. Speaker? À cause, bon matin, nous avons besoin d'une cause ou de quelque chose. Ils ont fait time management. Aider l'OPNQ essentiellement leader de l'opposition qui demande son question, ce qui vient vraiment en l'essence entre lui avec le ministre concerné. So, est-ce qu'il nous pour adresser ça? Et si oui, côté nous pour cause là dans l'état arrive de 31 de 30 de 31 mon temps qui nous pour adresser ça, c'est merci. Merci. Honorable Henri. Honorable George. Oui, Mr. Chair, on a dit quelque chose là. N, c'est l'ordre dans lequel PNQ devrait être demandé. Et dans le manuel, on va vous voir aux autres avec, mais nous réalisons ça des possibilités. Prends les premiers et enhance privilège leader de l'opposition. Après tout, si c'est ça du monde qui en sage, plus gros parti, population, à part, sans rien qui a électé comme président. Donc, il y en a un aspect national et il y en a un l'ordre priorité. Ça, c'est un. L'autre, c'est mettre à la fin, à cause de son petit période de temps, si c'est temps qu'il donne sa ministre, ministre. Il y avait gagné de 3 heures dedans, en plus encore, pour les cas préparer. Pour lieu de 9 heures, s'il peut venir 11 heures, il y avait gagné un petit peu de plus les temps. Mais ça, pas une grande considération. On a une troisième considération, et ça, c'est si disons, on a des ministres qui ont gagné demandé pour venir devant l'Assemblée pour, pour répondre aux questions, et un PNQ est entré sans la veille. Ça, des ministres qui ont préparé tous les corps pour venir la 9 heures, et puis on a un troisième ministre qui lit. Il peut venir. S'il vient de 9 heures, ça aide les autres ministres pour qu'ils push back. Et donc, on peut dire que, dépendant de la longueur et du temps que PNQ peut prendre, on peut push back un ministre qui ne prépare son corps. Et alors, on peut en effet prendre des ministres dans son travail et on peut emmener les autres devant l'Assemblée. Mais encore une fois, ça c'est un privilège, donc nous ne sommes pas capables, en ayant sa considération, mais nous avons besoin conscients. La réalité quelque chose. Personnellement, moi, je crois qu'un PNQ, il devrait être premier, get it out of the way, après faire bon les autres
À cause de PNQ, passe un article pour plus court qui insère une question qui beaucoup de membres vous demandent. Deuxième question pour nos considérations, c'est est-ce qu'un PNQ il devrait rester privilégié? Zis, leader de l'opposition, pas pour demander, à cause de ça, ils ont son privilège, mais pour que les autres membres, pas pour un an, doivent intervenir. Et là, il y en a encore des arguments. Un, c'est que généralement, et PNQ, ils tous, il y a quelque chose qui a l'intérêt national, et donc, il est bon qu'ils bannent les autres membres, il y en a un sens, demande question. Et deuxièmement, c'est si c'est un privilège qu'ils ont donné à leader de l'opposition, c'est juste lui qui devrait demander une question supplémentaire, parce qu'après tout, le deuxième du monde plus important dans le pays, le niveau représentatif, alors il supposait tel pareil président, en en sont là tous, le tout, quelque chose à tout moment. Alors, nous n'avons pas besoin de demander les autres membres, lui qui a anticipé tout, une question qui les autres membres sont capables de demander. Et tous les deux, c'est plutôt sa deuxième catégorie qui gagne servi devant les autres l'Assemblée. C'est son question, et lui, il avait qui gagne son réponse, et il finit ministre aller. Merci, M. Chair. Merci, Honorable Georges. Bon, meeting sonné. Est-ce qu'il est capable de finir avec part 5, qui ne va pas en part 6 après-midi, en montant? Est-ce qu'il est OK, Roland? Moment of reflection peut rester pareil. Est-ce qu'il nous a agréé l'ordre pour questions, PNQ premier, questions of which notice has been given, après questions without notice, est-ce qu'il y a un consensus pour nous bouger? Yes ou non, Barry? Oui, c'est une petite clarification pour bénéficier de monde qui a causé dans nos pays, PNQ vient at least 6 hours before question time. Now, question time, il m'a dit 9h bon matin, mais 6 hours, il... Oui, so à cause moi tout le temps, mon get li, ils sont jours d'avance. Disons, leader de l'opposition est conscient, travaille pour finir lundi 4h. Mais au moins, il fait si son question est allé lundi 10h bon matin. Nous pas arrivons là, nous prenons 31. Nous pas arrivons là. Nous pays, ils se regardent order of business on the other paper. All right, so nous agréons, nous close. Part 6. Honorable George? Yes, Mr. Chair, moi d'accord. Oui. Nous finissons avec part 6. Après-midi, nous avons part 7. D'accord. Merci. Bon, avant de nous prendre break, moi, tu as un petit housekeeping announcement. Comité Communicable Diseases, HIV, AIDS, NSRHR, permit tout de suite dans Comité Room 3. Et Assembly Business Committee pour meet and aid our speakers conference room. Nous pouvons break et nous retourner des heures.